Vendée-Cola vous propose de plonger au cœur du Grand Ouest avec des idées pour l'été. Bienvenue à tous dans Des idées pour l'été. Vous connaissez désormais le principe. Tout au long de l'été, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir des sites touristiques vendéens. Au programme de cette semaine, une plongée dans le Moyen-Âge, au château de Sigournay. De l'histoire toujours avec deux grands hommes qui ont marqué le XXe siècle. Je parle de Clémenceau et de Delattre de Tassigny. Pour le musée national des Deux Victoires à Mouilleron-au-Paré. Ensuite, nous nous envolerons à Noirmoutier pour l'île aux papillons. Et nous terminerons dans un potager extraordinaire à la Motte à Char. Aujourd'hui, nous sommes à Filin Forest et nous allons faire quelques acrobaties dans les arbres. Allez, suivez-moi. Jean-Pierre Rousseau, merci de nous accueillir à Filin Forest. Vous êtes le responsable de ce parc. Si on doit le décrire en quelques mots, qu'est-ce qu'on dirait ? Qu'est-ce qu'on dirait ? C'est tout simplement un truc pour se faire plaisir, surtout, et retrouver des sensations fortes et intenses. On monte quand même à 12 mètres de haut, et en toute sécurité. Vous allez voir, c'est terrible, terrible, terrible. Allez, on y va. Tu peux y aller, hein. Maintenant, je vais vous laisser donc avec Thomas, qui fait partie du parc, qui est un opérateur qui va vous surveiller lors de votre parcours. Ok, merci voilà. Pour le parcours noir. Bonjour Thomas. Allez, bonjour, c'est parti. Alors, voilà. On est le mousqueton rouge sur le mousqueton rouge. Hop. Et voilà. Donc là, c'est quoi la suite ? Alors, ce parcours ? Ma foi, très bien, très surprenant. Vraiment, c'est très bien, c'est très très sympa. Pas eu peur du tout. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, voilà. Je le pense. Et en tout cas, on peut venir en famille, entre amis, c'est le principe. Complètement, en pleine nature, voilà. Saint-Hilaire d'Aurier, le parc de Filin Forest. Je pense que vous l'avez découvert. En tout cas, je vous invite à le faire, ça vaut vraiment le coup. C'est pas fatigant, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Des idées pour l'été vous a été présenté par Vendée-Cola, le cola du Grand Ouest.